Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. La dernière fois, nous avions enfui Chafreux ainsi que Mouna. Mouna qui est maintenant le grand méchant. Au final. Après avoir fini de fuir, il se trouve que Matt s'est fait capturer. Et du coup, malgré que Trioxyde ait décidé que c'est trop dangereux, notre personnage, lui, a décidé d'aller sauver Matt. Personnellement, j'aurais décidé que c'était trop dangereux également, je me serais barré. Surtout pour Matt. Mais voilà. On n'a pas tous les mêmes priorités. Et du coup, on va au mont Troglodyte. J'espère juste que j'ai le niveau. Parce que plus ça avance, et plus je me fais rouler dessus, moi. Je suis obligé de laisser Trioxyde gérer. Et c'est chiant. Ouh, il y a des Voltanis, c'est mauvais ça. Je sais pas vous, mais moi, voir tous ces trous, ça me donne envie de me gratter, c'est horrible. Quel est le niveau des Pokémon ici? Ok. Bon après c'est Azuril, c'est le Pokémon le plus faible. Sûrement. Juste vérifier si le son n'est pas trop fort pour vous. Parce qu'il est. La musique est magnifique. Mais elle est un peu plus forte que la moyenne, je trouve. Ça va encore, en deux coups ils sont KO, mais ça veut pas dire que... Là on tombe que sur des petits Pokémon encore. J'ai équipé... Ouais. Capapel. Ah voilà, ça va être chiant ça. Parce que la danse folle. Les Fragile Lady, ça va être les Pokémon les plus chiants. Encore. Autrefois... Ça allait pas du tout, hein, ce qui s'est dépassé. Oh, bonjour. Pyronir. Très bien. C'est vrai qu'il y a ce Pokémon dans la cinquième génération. Du moment où on reçoit 32 dégâts, on fait attention. Ah. Matt qui laisse sûrement des trucs comme ça pour qu'on sache où il est. Mmh.
Ça c'est mauvais ça aussi comme attaque. C'est encore plus mauvais si j'étais de type E en fait. Cet endroit pour être type E il doit être... un enfer. Un peu. Encore ça pourrait être pire. Faire sa danse folle. C'est danse folle, très bien. Ça veut dire que elle l'a peut-être pas ici. Aïe. Et... ok. C'est vraiment chiant que notre Pokémon se tourne pas vers les adversaires. Quand on est en travers comme ça. Alors, des fois il le fait, des fois il le fait pas. Et je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de logique derrière. C'est chiant. Heureusement on a ça. Les graines. Je le balancerai dans le combat de boss. Je suis empoisonné, c'est bon non. Ça aurait été chiant d'être empoisonné. Bon j'ai des bébés chats mais bon. Un petit peu, ça devrait être bon. On peut gérer. Que ce soit pas une maison de monstres ici. Ouais. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Faire attention quand ça enlève 30 PV. Je voulais essayer de gérer, mais. Je voyais l'escalier. On m'a balancé un truc pour voir l'escalier.
J'ai vu qu'il y avait plein de lingots ici. Ou d'ennemis, je sais pas. Polygraine et... Pétrigraine. Mais je n'ai plus de place. Ça peut être pas mal en vrai. Ah, je peux rien jeter d'ici. Ok. Bah tant pis. Il n'y a pas de point de sauvegarde avant. Ils l'ont pas capturé, ça sent. Elle a juste imité la voix. Ah, c'est bon. Ah, il va avoir laissé un truc. Non. Ce serait marrant en fait qu'on le prenne avec nous là et qu'on laisse un truc qui parle. Ninja. Eh ouais. Ah non, c'est eux qui l'ont bien fait, ouais. C'est bien ce que je pensais. Un truc aussi mignon qui est méchant. On dirait ce qui s'est passé dans One Piece, pour ceux qui lisent les scans. J'en dirai pas plus.
Déjà qu'il arrive pas à me porter moi, alors les deux, ça va être compliqué, non? Ultra stylé. Un peu mal foutu, mais ultra stylé. Totalement. Il sait pas qui c'est, ça va lui faire bizarre. Ouais. On va tomber sur Mouna en plein milieu, ça c'est sûr, je pense. À part si Mouna... Non, ou Dratak. Peut-être pas Mouna, mais Dratak en tout cas. On va tomber sur un Dratak, ça c'est sûr, je pense. Et Mouna sera plus tard.
Ok. Là, combien de temps dans l'épisode là? 21 minutes. Bon, on continue. Sympa la musique aussi. Forcément. Il a gagné pas mal de capacités. Lame feuille, oh. De folie, hein. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Après, j'ai les orbes pour faire ça, donc... Oh putain, ce que nos alliés vont gagner comme XP quand on rentrera au Pokéden. Si l'XP est compté pour eux aussi. Ça va être abusé. Ils vont tous évoluer. Ça, ça a l'air d'être un endroit que je peux gérer, ici. Non. Ok, t'es KO. C'était un autre. Oasis. Non, ça fait quelque chose. Genre, est-ce qu'on peut récupérer des PV à l'Oasis? Faut voir. J'en trouve une encore. Aïe. Moi, j'ai perdu Torrent. Pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave quand même, mais... Pas ultra. Beaucoup qui montent l'ampeuil, mais bon. Oh le salaud. Mais non, il peut choper même sur mat. Il a chopé une résigraine, ce bâtard. Ok, donc les mégavolts, va falloir se méfier. Une V-vague de type ténèbres ou dragon? Dragon, ok. Oh, une V-vague de type dragon et on va sûrement combattre... Un attaque à la fin. Mais non. C'est extrêmement mauvais ce qui se passe. Ah
L'Oasis, ça a pas l'air de faire grand chose. Je peux aller dedans parce que je suis type haut, mais après. Mais il résiste. C'est vrai que quand il y a la tempête de sable, on récupère plus nos PV. À ce moment, ce truc. Hein. J'aurais une résigraine, j'aurais vendu pas mal de trucs pour aller le chercher, mais bon. Oui, en fait. Hop. Bandana force plus. J'ai bien lu. Oh là là. On échange tout de suite. Mat, qu'il n'y a que des attaques au corps à corps. Tellement être utile. C'est quand même bien chiant cette histoire de tempête de sable. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il est là-haut quoi. Là, je suis obligé de prendre parce que sinon. Il suffit d'une grosse attaque et je suis fini. Il me reste là. Et sinon, bah, il me reste en dessous le magasin. J'aurais parcouru tout l'étage. Le fait que je tombe directement dessus pendant plusieurs étages, ça rattrape un peu le tir. Wouah, 106. C'est la même base que... Ah, mais il a peut-être fermeté. Tout pour l'XP. Vous imaginez, je serais descendu. J'aurais fait tout le tour pour rien encore une fois. Pam.
Mais toutes ces attaques, faut qu'il décide de faire l'attaque normale. Regardez quoi, la logique. Les Pokémon adverses, ils vont forcément vous faire l'attaque super efficace. Hein. Par contre, les alliés, ils réfléchissent pas. Et qu'on me dise pas qu'il a plus de capacité. Bah non. Désert qui fait un peu mal aux yeux. Peut-être l'émulation. C'est ça. Je sais pas si dans le jeu c'est comme ça ou pas. On va tomber sur QRM, non? Faut qu'il fasse froid comme ça, c'est sûr. Je m'en fais pas parce que Trioxyde c'était l'incarnation de la nature. Elle peut se recomposer, je suis sûr. Il nous apprend plein de trucs. Mais le pire, c'est que ça pourrait faire un excellent film, hein, ce genre de scénario. Et en même temps, ça ferait réfléchir les gens. On parle du scénario de Pokémon, Donjon Mystère Explorateur, du temps, du ciel et tout ça. Et ce scénario-là est beaucoup plus ficelé en mode film. Je trouve, en tout cas.
C'est ultra stylé. Le scénario, il a un truc en fait. Il a vraiment un truc. En tout cas, c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. Je vous dis à tous, ciao à plus, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous!